hyper confortable. Donc c'est un mode qui a une traduction partielle, c'est-à-dire que tout n'est pas traduit en anglais, il y a quelques bugs d'affichage, quelques petits bugs par-ci par-là. Je sais pas si je peux t'en faire un petit exemple. Par exemple celui-là, comme tu vois. T'as des fois des petits bugs comme ça, il y a des events qui sont pas traduites. Mais bon, on va dire que la majorité, la grande majorité du mode est traduite, mais pas tout. Ça veut dire que si tu installes ce mode, tu le trouves, installe-le aussi la traduction partielle qui est disponible sur le Steam Workshop. Si tu sais, si tu joues le jeu sur Steam, il m'étonnerait pas. Enfin voilà, comme ça au moins t'es au courant. Tu vas essayer de t'entendre juste, de t'étendre jusqu'à où à peu près? Bah déjà, je vais vraiment réunifier tous les territoires français. C'est-à-dire que par exemple, lui là, vassalisation tout de suite. Récupérer la Bretagne, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis après, me venger des Anglais. Nous allons tenter de conquérir l'Angleterre. On va faire une petite vengeance sur les Anglais. Mais déjà, il faudrait que je commence par renforcer le pouvoir royal, parce que là, mon pouvoir royal est vraiment très limité. Comme vous voyez, je suis en minimal, mais il faut que j'augmente mon pouvoir royal. Enfin, en fait, il faut que j'administre le royaume un peu. Parce que j'ai beau avoir réunifié le royaume. Ah d'accord, c'est une hérésie. Bah déjà, tu vas mourir. Voilà, une bonne petite pendaison comme on les aime. Ah ouais, oulala, 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 hérésie, alerte hérésie, alerte hérésie. Allez, maintenant on va leur faire comprendre Deus Vult. Boum. On va convertir tout partout. Là, c'est le juré de fidélité, blablabla. Ok. Alors, toi, t'appartiens à qui? Au duché de Normandie. Ok. Donc, transférer le vassalage. Avec le duc de Normandie. Ok. Alors, il y a plein de petits territoires que j'avais récupérés aussi. Et celui-là, le Béarn. Alors, faut savoir que lui, là, est-ce qu'il est en... Ouais, il est en primogéniture. J'aimerais bien qu'il change sa loi. On peut lui faire changer en plus à la base, non? On peut lui demander d'avoir du salic. À moins que là, il ne le propose plus. Parce que là, entre les mains d'un trop gros territoire, bon, on a connu ça avec les ducs d'Aquitaine. Mais bon, j'aimerais pas que ça se reproduise quand même. Ah, il veut bien, en plus, c'est bien. Je vais essayer de m'en faire un pote. Du duc Bouchard. En tout cas, avec tous mes skills, en plus, je dois être très aimé du royaume. Ça fait plaisir. Par contre, lui, il est pas content, bah forcément, parce que je l'ai renvoyé. Je peux pas lui envoyer des petits cadeaux parce que j'ai pas d'argent. Ah ouais, je suis dans le rouge, en plus. L'alliance a été dissoute. Pourquoi? Parce que ma sœur est morte avec de l'écume dans la bouche. Elle avait la rage! Ah oui, d'accord, bon, c'est sûr qu'elle allait mourir, alors. Ok. Cool. Super. Est-ce que j'ai encore des sœurs vives? Bon, j'ai que elle qui est mariée qui est mariée au fils de l'empereur. Je ne peux toujours pas forger d'alliance, non, toujours pas. Ah bon. It's not a problem, you know. Oh, ok. I'm sorry, I'm sorry. T'as essayé le DLC Jade Dragon? Non, parce que je l'ai pas acheté ce DLC, pour le coup, je l'ai pas encore. Je l'achèterai peut-être un jour pour l'essayer, mais il m'attire pas plus que ça en fait. Mais un jour je tenterai. On verra. Alors ça c'est quoi? Guerre de revendication toulousaine sur Limousin. Quoi? T'as une vraie revendication ou c'est une revendication que t'as fabriquée? C'est une revendication qu'il a fabriquée. On va faire un truc. C'est histoire que les gens soient... Ça reste calme un petit peu dans le territoire. Ah non, je peux pas. Lui c'est quoi? Ah oui d'accord. Je vais essayer de demander au duc de Bourgogne de voter comme moi. Demander le soutien au vote, mais après je lui devrai une faveur, ça c'est chiant. Le problème c'est que je peux pas acheter une faveur parce que j'ai pas assez d'argent. J'ai même pas d'argent du tout. Bon, c'est pas grave, comment dire, je ferai ça plus tard. Salut Kinaï, bienvenue sur le stream, bienvenue à toi, comment vas-tu? Moi ça va très bien, hein. T'as raté le début du stream. De toute façon, je mettrai la rediff sur YouTube. T'as raté le début. Au moment où j'étais en train d'éclater la mouille aux Anglois,
avec Philippe Auguste de France pour récupérer les territoires français. Parce que toute la moitié de la France n'appartenait pas à la France mais à l'Angleterre. Et ben j'ai tout récupéré par un beau concours de circonstances. Franchement, heureusement que c'est filmé, hein, heureusement que c'est filmé, comme ça je vais pouvoir le montrer ça en vidéo. C'était un putain de concours de circonstances, j'ai eu grave de la chance. On peut se le dire, j'ai eu grave grave de la chance. Par contre, on va fabriquer les revendications en Bretagne, on va récupérer la Bretagne. C'est le prochain objectif de conquête. Alors, je deviens un hédoniste ou un socialisateur? Hédoniste, ça m'apporte juste de la fertilité. Avant, ça apportait ça apportait de la diplomatie, mais maintenant, ça l'apporte plus. C'est beaucoup moins intéressant, parce que moi, je cherche des skills en diplomatie. Ouais, on va se mettre socialisateur. Il me faut des skills en diplomatie. Et je vais peut-être me mettre en intérêt famille pour le coup, pour avoir des enfants rapidement. Je me mets en intérêt famille. Bah écoute, Kinaï, ça va très bien, ça va très très bien. Petit stream posé sur Crusader Kings 2 avec Philippe Auguste qui a déjà réunifié toute la France. Ça me rappelle un petit peu la partie. Avec les Normands là, avec le duc qui voulait devenir roi, avec le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant là, pour reconquérir la France. Ça s'est passé rapidement, et là encore une fois, ça se passe rapidement. Et comme par hasard, ça arrive toujours en vidéo ça. J'ai vraiment de la chance pour le coup, c'est vraiment vraiment de la chance. Les trucs arrivent qu'en vidéo ça. Oh non, on va pas rassembler les foules. Qu'est-ce que je voulais faire moi déjà en plus? Ouais, au niveau des lois. Ah, j'ai déjà assez de partisans pour augmenter l'autorité royale. Allez, boum, on augmente l'autorité royale. Ah, j'ai plus de. Bon, on va embaucher un physicien. On va voir si on peut avoir un bon physicien. Déjà, j'ai droit à qui dans mes vassaux? Ah oui d'accord il a... Oh non 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 c'est bon en fait j'en ai pas besoin. Ça va en fait j'en ai pas besoin. Le président de Manana, cessez de me toucher. Regardez, je n'en peux plus. Quoi ma femme me trompe? Elle me trompe déjà? On vient à peine de se marier, tu me trompes déjà? Autorité approuvée. Elle a admis sa liaison. Salope, salope, salope. Déjà, hop, je vous dénonce. Ah mais rien à foutre, rien à être fou. Et je t'emprisonne. Non, moi on me trompe pas. Philippe Auguste, on ne le trompe pas sans en subir les conséquences. Je la tue. Vous savez quoi, les gens, je vais vous demander. Je vais vous demander ce qu'elle mérite, ce qu'elle m'a trompé. Soit je l'exécute directement, hein, voilà. Soit je demande le divorce et juste elle dégage. Soit je l'humilie carrément, mais je crois que ça va m'apporter de mauvaises skills si je l'humilie. Je vais pas faire ça, ce serait pas gentil. Soit je l'aveugle directement, ça aussi ce serait pas gentil, mais je m'en fous. Soit je la jette aux oubliettes. Soit je la jette. Ça m'a énervé. Alors. Tue-la. C'était frère, je dirais tue-la. Kill him. Aveugle-la. Souhaite. Possibilité d'un moment qui s'appelle comme son nom, la famille, le syndrome de Ray qui a un effet d'endommager le cerveau. J'ai la variole. Attends, excommunication. Tue là cette cochonne. Ensuite divorce. Aveugle là et ensuite divorce. Ah, c'est tellement, tellement bâtard ça. On l'aveugle, bim. Et puis ouais, comme ça on divorce et elle dégage. C'est tellement bâtard. J'ai 25% d'obtenir le trait quoi? Sûrement le trait cruel. J'ai 25% d'obtenir le trait cruel. Vous savez quoi? On va juste la tuer. Allez hop. On va voir ailleurs. Une décapitation à la Stark. Je l'ai décapité moi-même. Voilà. Et on va trouver une autre femme. On va trouver une autre femme.
Princesse de Jérusalem, ok. Elle est d'Anjou, mais c'est pas intéressant. On va trouver quelqu'un avec des bons skills quand même, pourquoi pas. Elle est bien. Non, y a vraiment pas de femme avec des bons skills. Hein. Je vais tenter un truc, pourquoi pas, hein, on va tenter. C'est d'amener une débutante. Elle s'appelle Mélisandre en plus. Et oh, elle est bien. Enfin, elle est bien. Je veux dire, elle est pas dégueulasse, dégueulasse. Mais je pense que je peux trouver mieux. Ah, je peux avoir un lien avec le roi de Navarre. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ça peut me permettre d'avoir une revendication sur Navarre. Pour être intéressant. Marie-toi à une génie. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. S'il y avait une génie, je l'aurais mis là, je l'aurais trouvé. Tout de suite. Mais là, il n'y en a pas de génie. Il n'y a pas de génie. Ni de mon avis, ni de personnes vives. Non, il n'y en a pas. Oui, comme vous voyez, il y a aussi plein de petites choses qui sont rajoutées dans les traits. Vous voyez, vous pouvez être gaucher. À savoir que vous pouvez être aussi ambidextre, ça veut dire utiliser vos deux mains forcément pour vous battre. Il y a aussi le trait intuition, ou intuitif, je crois que ça s'appelle plutôt intuitif. Et il y a aussi le trait... Il y avait un autre trait aussi, je sais plus c'est lequel. Enfin voilà, des traits martiaux comme ça, il y en a. Ça c'est plutôt cool. Cherche dans le monde. Ouais, je crois que je vais devoir creuser dans le monde, mais bon, pour le coup, il faut que je me marie avec une cato, quoi. Faut que je me marie avec une cato. Non, hors de question. Voyons, Sicile, tiens, la Sicile. Est-ce qu'ils ont quelqu'un à me proposer, la Sicile? Non, non, non. Non, la Sicile n'a rien à me proposer. La Castille, les Espagnols. Vous avez rien, les Espagnols? Princesse, elle est héritière du royaume de Castille. Est-ce que je tente un coup? Je tente un coup avec elle en espérant que lui n'ait plus de femme, avec un petit peu de chance. En plus, il est hédoniste. Non, il aura des enfants. Il aura des fils, c'est sûr. Il aura des fils. L'Aragon. Constanza. Ok, bon, elle est pas loin de mourir, elle. Le Portugal. Le Portugal, le Portugal. Teresa. Ah, là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Là, c'est très, très, très intéressant. Fiançailles. Là, c'est intéressant. Préférer un mariage matrilinéaire, forcément. En plus avec les intérêts politiques. Les Anglais, non, je compte leur détruire la gueule, donc c'est pas la peine. Les Danois. Les Danois, les Danois. Oh, il a plein de filles, le Danois, il a plein de filles. Ouais, déjà fiancé. Et ces gens-là sont trop jeunes. J'aimerais quand même récupérer une femme sur laquelle je pourrais faire des enfants tout de suite. Ouais, forcément, c'est mort. Elena, bon, elle a 3 ans, c'est pas la peine. L'Empire byzantin, peut-être. Non. Non, 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 non. Tiens, peut-être à Venise. Bon, non, en plus, c'est pas hyper intéressant. Mais est-ce que les Écossais, je pourrais faire quelque chose avec les Écossais? Non. Là, c'est dommage. Elle, oh, remarque. Bof. Bon. D'accord. D'accord. Il te manquait le DLC. Il me manque le DLC Jade Dragon. C'est le seul DLC qui me manque. Pour l'instant, il ne m'attire pas particulièrement. J'achèterai peut-être à un moment ou à un autre, on verra. Avec la barre de recherche, il y a un bouton pour chercher dans le monde en bas à droite de la mini-carte. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire celui-là. Je suis bête. D'ailleurs, salut à toi Maxi, bienvenue sur le stream. Il n'y a pas les traits combattants entraînés ou du même style là? Bah si, regarde. Enfin, si tu cherches dans ce jeu, si, il y a ce système de combat comme de combattant, comme dans Game of Thrones. Ils l'ont intégré dans le CK 2+. Ça, c'est plutôt cool. Sexe, non, pas homme, femme. J'aimerais bien quelqu'un quand même de ma religion, ce serait bien. Peu importe la culture, qui n'est pas marié, évidemment. Et qui n'est pas... Enfin, si, remarque, si elle est titrée, on s'en fout, tous. Alors, ce serait bien, envie d'avoir quelqu'un de jeune, ce serait bien. Elle, moi, bon, elle est possédée, mais bon, elle a de bons skills quand même.
Oh, celle-là, elle a plutôt des skills sympatoches. Et là, il y a du bon skill au niveau de... Au niveau de la diplomatie. T'as 42 ans, c'est dommage, parce que là, elle était bien, elle était complète. Elle avait plein de choses, mais elle a 42 ans. 24 ans, ouais. Trop vieille, trop vieille. Ouais. On a 35 ans. 56 ans, 73 ans. Ah, 23 ans. Et elle, elle est plutôt complète. Elle a un peu partout. Elle, ce serait intéressant. Elle, ce serait intéressant. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ouais. Non plus. On va voir s'il y a une génie dans l'histoire ou une vive. Vive. Non. Génie. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de génie. Tant pis. Peut-être y a beauté. Bah, il y en a une. Portugaise. Ce serait bien en fait que je puisse récupérer aussi le trait beauté aussi. Ça peut être ça. C'est un trait qui aide beaucoup. J'ai elle ou peut-être elle. L'une des deux. Purée, mais il faut que je trouve ce mode. Je cherche depuis tout à l'heure. Alors, Steph Raja, si tu cherches le mode, je crois que je l'ai quelque part. Tu vas finir seul. Seul et aigri si ça continue. Mais non, Roswest, t'inquiète pas, je vais trouver. C'est juste que je cherche bien. Mais Steph Raja, écoute, attends, je vais essayer de trouver le mode parce que je sais plus où je l'avais trouvé. C'est K2 plus. Je l'avais trouvé quelque part. Où je l'avais trouvé déjà? Attendez, petite seconde les gens. Bon, déjà, première des choses, c'est que je vais sauvegarder. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous mettre le lien maintenant. Parce que je sais plus exactement où je l'ai trouvé. Je sais que je l'avais trouvé quelque part. Bah forcément, si je l'ai, c'est que je l'avais trouvé quelque part. Mais voilà, c'est là que je l'avais trouvé. C'est là que je l'avais trouvé. Alors, c'est normal sur le. Sur le. Ah bah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais vous le poster. Alors voilà le lien, mais attention! Ce lien ne fonctionne que si vous avez un compte Paradox. Donc, inscrivez-vous sur le forum de Paradox en vite fait. Et puis après, vous pourrez voir le lien. Mais inscrivez-vous sur le site, sur le Paradox en fait. Il faut s'inscrire, il faut avoir un compte Paradox si vous ne l'avez pas. Puis après, là, vous aurez le mode. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire un tour sur le Steam Workshop. Pour avoir des petits mods en plus, n'hésitez pas à fouiller, fouiller. C'est là où j'ai trouvé le mode Personal Castle. Donc, n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Regardez, vous allez voir, il y a plein de petites choses intéressantes. Bref, ceci étant dit, ceci étant fait, on va pouvoir continuer un petit peu à jouer. Parfait, merci. Eh ben, je t'en prie. Je t'en prie, Stéphraja. Ce jeu, il est tellement bien, il faut que t'en profites un petit peu. J'ai combien? 10% de chance d'avoir une infection.
En plus, elle ferait une très bonne femme, hein, mine de rien. Regardez ça. Elle a de bons skills et tout. Elle ferait une très bonne femme. Est-ce que je peux me marier avec elle? Je me demande. Ah oh ouais, je peux. Ah, par contre, je vais perdre du prestige. Waouh! Ah, je vais perdre grave du prestige. Bah forcément, ce n'est pas une noble. Mais elle ferait une très bonne femme, hein. Parce qu'en plus, elle a très beauté et tout qu'elle peut donner à nos enfants. C'est une occasion, hein. C'est un petit peu une occasion. Parce que dans les gardes forestières, rapporte qu'une femme est suspectée de sorcellerie, Véalisa. Ah, en plus, elle est suspectée comme étant une sorcière. Bon, si je l'amène, je pense que les... Ah bah non, Comment dire, le clergé ne dira rien. J'ai envie de dire why not? Attends, je vais sauvegarder. Mais j'ai envie de dire why not? J'adore, t'imagines le roi de France. Bon, je l'ai trouvé je sais plus où. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire ma reine. Pourquoi? Bah, elle a un beau cul. Enfin voilà, j'espère que je vais pas devenir, je vais pas avoir une infection. Non, ça va. Et puis... Tant pis, c'est pas grave pour le... pour le prestige, j'en ai beaucoup déjà, c'est pas grave. Et puis... Elle, je vais la retirer, ça sert à rien parce que j'ai un très bon. J'ai un très très bon qui est là. Voilà. Le prince archevêque, là, avec ses 23 en érudition. Il gère de la fougère. D'ailleurs, on va remplacer ce châtelain. Il sert à rien. Faire du prosélytisme, voilà. Deus vult. Allez. Voilà, une bonne chose de faite. Est-ce que je peux voter? Obligation des nobles. Bon, forcément, il y a plein d'opposants. Est-ce que je peux voter la paix royale? Je peux voter la paix royale. Voilà, histoire que le pays se tienne tranquille. Voilà. Bon, pour l'instant, on va tomber amoureux toujours ce skill-là. Je lui offrirai un petit cadeau. Voilà, comme ça va augmenter. Normandie, qu'est-ce qu'il veut? De Beaumont. Comme ça, il me devra une faveur. J'ai le plaisir de vous inviter à assister à mon couronnement. Genre, le roi d'Angleterre invite à son couronnement. Est-ce que j'y vais? Genre, j'y vais rien que pour lui faire ça. Comme as. Genre pour lui dire, ah t'as perdu toute la France, hein. Ah c'est dommage, hein. Ah c'est dommage, hein. Ah c'est dommage, hein. Je sais quoi, je vais y aller. C'est trop marrant parce que des fois le jeu te propose de ces trucs. Normalement, le roi d'Angleterre, il veut pas voir ma gueule. Normalement, après ce que je lui ai fait, il veut pas voir ma gueule. Mais bon, moi j'y vais. Allez, rien que pour le taunt. Moi j'arrive devant sa gueule comme ça pendant le couronnement. Je lui fais un... Comment dire, un... Je lui fais un... Comme ça. Comme ça. J'y vais. C'est pour te buter. Non, t'inquiète pas, il me bute pas. Il me fait pas pour me buter. Y a pas ce genre d'event quand tu vas au mariage. Au mariage, n'importe quoi. Quand tu vas au couronnement. Tu ne tues pas pendant ton couronnement. Ah, est-ce que je peux toujours pas avoir d'alliance avec lui? Non, il veut toujours pas intérêt politique. Ça commence à devenir chiant cet intérêt politique. Non, refusé. Dynastie, Plantagenet, bénédiction. Voilà, j'accède à son couronnement. Avec un grand sourire pour lui dire t'inquiète pas, ta couronne sera bientôt à moi. Je te laisse la garder au chaud. Blablabla. Bla, bla. Bon, ça, forcément, c'est pour les célébrations. Tout, tout ça, tutti quanti. Tonnerre d'applaudissements, ouais voilà, vive le roi d'Angleterre, ouais, vive le roi d'Angleterre. Ouais, longue vie au roi d'Angleterre, ouais, youpi, ouais. Oh. Couronnement a pris fin, blabla, ok, d'accord, bah on rentre à la maison. Voilà. Tu tiens bien la couronne au chaud, hein, d'accord?
peux lui déclarer la guerre pour récupérer ce bout de Maine. Je pense que c'est ce qu'on va faire en plus. Hein. En plus, regardez là, il est là, Richard, c'est lui l'héritier. Richard Cœur de Lion. Si c'est lui qui est roi, par contre, j'aurais du mal parce que c'est un très bon combattant. En plus, il est parti en combat focus là. Il se focus sur le combat, donc. Il va être très. Voilà. Va être compliqué de se le faire, le Richard. Faut pas prendre de risques. Mais t'inquiète pas, Rose West. T'inquiète, je suis bien protégé. Et regarde-moi ça. Combattant formidable. Quelqu'un essaie de lui tomber dessus, mais il lui fait un Mawashigeri. Il tombe tout de suite. Juste aller faire un petit Mawashigeri, c'est réglé. Attends, est-ce que je peux faire proposer une vassalisation? Il veut bien? Non, il veut pas. N'est pas mon seigneur liege et culture étrangère. D'accord. D'accord. En plus, il a des revendications sur le royaume d'Angleterre. C'est qui? Ah, c'est l'un des fils de Henri. D'accord. D'un côté, il a tellement de fils avec tellement de territoires, ça peut foutre un boxon pas possible. Surtout si le royaume n'est pas stable. Mais je crois que dans son royaume, si c'est stable, il est aimé dans son royaume, Henri III. Henri III est aimé dans son royaume. Ma femme est enceinte! Oui! Et bah voilà, une nouvelle femme, voilà, une nouvelle femme que j'ai, je sais plus, j'ai récupérée où. Et voilà, elle est enceinte directement, ça fait plaisir. C'est ça qu'on aime. Je vais avoir un enfant. Et les gens, préparez-vous tout de suite à lui donner un nom. En remarque, ça dépend. Bon, on verra. Parce que si c'est un fils, je vais l'appeler Philippe. Non, pas Philippe, je vais l'appeler Henri. Avec un I, hein, pas avec un Y. Je vais l'appeler Henri. Mais si c'est une fille, je vais vous laisser le choix du nom, je pense. Salut, Landfest95, bienvenue sur le stream, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui, le duc d'Anjou? Le monstre duc d'Anjou. C'est pour récupérer le comte de Béarn. Oui, remarque, c'est dans ton giron. C'est dans ton giron, je veux bien. C'est dans ton giron, pour l'instant. Là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais vraiment commencer à accumuler de l'argent. Je vais accumuler de l'argent. Ah, j'ai pas mis d'intérêt de la couronne. J'ai oublié. Voilà, intérêt de la couronne à Paris. Attends, est-ce que j'ai que c'est que de la gnatique chez moi? Ouais, c'est que de la gnatique, ça veut dire c'est que les hommes qui héritent. Ça, par contre, ça va être un problème. Pour être sûr de la succession, il faut que ce soit agnatico-cognatique. Et pour l'instant, je ne peux pas. Parce que je dois régner pendant au moins 10 ans. Et il me faut 750 de prestige, ce que j'ai déjà. Une lettre d'amour. D'accord, il y a une fille qui essaie de me... Une femme qui essaie de me séduire, mais non, je suis un homme marié. Joris, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, lui, il devient un très bon combattant, un très bon skill. Lui, je pense qu'il pourra devenir un bon général du royaume. Je vais m'occuper du petit Yves. Par contre, ce qui est dommage et qu'on ne puisse pas faire dans ce Crusader Kings 2 et qu'on peut faire dans Crusader Kings 2 Game of Thrones, c'est anoblir quelqu'un. Ça, c'est dommage. Mais un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner des terres. On peut octroyer des terres si on veut. Je vais vous montrer un petit peu où c'est. Même si j'ai pas assez d'argent pour octroyer quoi que ce soit. Hein, vous avez vu là, hop, vous avez octroyé des domaines. Ça veut dire qu'on peut donner des domaines à quelqu'un. Et lui donner genre soit un petit domaine, soit un domaine moyen, soit un grand domaine, ça dépend de l'argent qu'on a. Puis après, grâce à ça, il a une petite rente. Il gagne des richesses. Il gagne du prestige, enfin voilà, il devient un seigneur terrien. Sauf qu'il n'a pas de terre officielle ici, là, par rapport au comte, au baron, au duc, tout ça. Mais il a des terres, on dit qu'il a des terres, quoi. Évidemment, prenez tout ce qu'il vous vaut. Bon, 16 pièces d'or, c'est pas énorme. Extase marital, éprouve de l'amour pour. Bah, c'est bien comme ça, plus d'enfants. Et quoi? Être ami avec le pape? Ouais, j'ai quoi d'autre? Convertir une province. Ouais, je vais tenter de convertir une province parce que. Hop, voilà. J'ai des hérésies chez moi. Voilà, des hérésies cathares. Cathares et vandoises. Petit groupe desquels nous pourrions manger, boire, bah ok. Écoute, pourquoi pas une petite fête? Moi j'y vais. Ah, des revendications. Revendications sur quoi? Sur le comté de Kerneve.
Ça fait quoi, 160 pièces d'or? Ouais, ça va me coûter de l'argent. Mais bon, on est là pour faire des conquêtes, tant pis. Moi qui voulais économiser, bah c'est un peu mort. Quoi, je ne peux plus lui demander de... Je peux plus lui... demander de faire des revendications, pourquoi? Peut-être que pour l'instant je ne peux pas le faire. Faire preuve d'habileté politique. On va attendre un petit peu. C'est une partie du jeu que je connaissais pas. Ah, tiens, une guerre. Pour obtenir. Ah, il va commencer à faire des guerres pour tenter de récupérer un petit peu ses territoires. C'est vrai en plus que j'ai plus mon alliance avec les Écossais. Je pourrais me joindre à la guerre de toute façon si je veux, mais j'ai plus d'alliance particulière avec eux. Et puis si je compte. Ah bah c'est une petite fille que j'ai. J'ai une petite fille. Alors, on l'appelle comment la petite? Oda, Edwige, Constance, Adèle, Gisèle, Constance, Oda, Constance. Il y a toujours les mêmes noms qui reviennent. Forcément, c'est le nom des ancêtres. Il n'y en a pas non plus 3 milliards d'ancêtres. Wandil Maudit, c'est quoi ce nom? Le nom a couché dehors, quoi. Je suis en train de le télécharger. Ok, Stéphraja. Télécharge l'installeur. J'espère que c'est l'installeur que tu as téléchargé et pas les fichiers. Parce qu'il faut télécharger avec l'installeur, au moins t'es sûr que l'installation se fera bien en fait. C'est un conseil que je te donne. Hildegarde, ouais. La Guerta. Ah, pourquoi pas la Guerta? Jade. Ah, Jade, j'aime bien. Va pour la Guerta. J'ai bien l'orthographié au moins. Ouais. Va pour la Guerta. Oh, en plus, elle a déjà des problèmes de santé. Oh, la pauvre petite, quoi. Bah tiens, bah non, on va faire du conflit, tiens. On va faire d'elle une petite combattante. La princesse, la Guerta. Geoffroy le rat commence à devenir un bon combattant. Mais le rat, quoi. Ouais, lui, il va devenir un militaire, c'est sûr. T'imagines, pendant les batailles, on l'appellera commandant le rat. Commandant le rat. Pourquoi pas, hein. Après tout. Commandant le rat. Ok, c'est devenu mon meilleur ami, cool. Par contre, lui, le duc d'Anjou, il est trop puissant. D'un côté, il a combien de duchés? Il a 4 duchés. Comment il peut s'en sortir avec 4 duchés? Il n'est pas détesté de ses vassaux? Non, ses vassaux l'adorent. Mais... grande reconnaissance. Attends, vassal royal. Ah, vassal loyal, d'accord. Il y en a qui ont vassal loyal. M'a offert un comté, forcément, parce qu'il a distribué. Mais à mon avis, à la succession, dès qu'il va mourir, à la succession, ça va être le bordel. Ça va être le bordel dans son duché. Enfin, dans son super duché, quoi, avec ses 4 ducs. Ça va être le bordel, ça va se tosser, sauter dans tous les sens, surtout qu'il a 3 fils. 4 fils maintenant. Il a 4 fils. Donc... voilà. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Ah, d'ailleurs, au niveau des factions, ça se passe comment? Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ça se passe plutôt pas mal. Au niveau des 4 factions qu'occupe la France. Encore invité pour une petite sauterie? Bah, je viens. Je viens, je viens, je viens. En plus, c'est mon cher oncle. Donc, voilà. Moi, j'y vais. Il y a tellement de choses. Duché de Berry, duc d'Orléans, duc de Valois. J'ai peut-être créé le duché d'Alençon. Pour pouvoir créer un nouveau duc. Et je vais donner ce duché à. Peut-être à lui justement pour pouvoir un petit peu dégraisser.
Bon, les gens, je crois que je vais pas trop tarder à en finir. S'il y a des gens qui veulent dormir chez moi, donc voilà, je vais pas occuper trop longtemps quand même le stream. Au moins, j'aurai de quoi faire pour la rediffusion de demain. Dès demain, je vais télécharger le. Enfin, ouais, demain, je pourrais le faire. Je vais télécharger la vidéo pour pouvoir vous faire une VOD. Une vidéo plutôt sympatoche. Comme ça, pour ceux qui n'étaient pas là au début, vous verrez comment j'ai réussi à réunifier la France. Vous verrez le avant-après. Il est magnifique. C'est normal que le mode que j'ai installé ne fasse que 54 mégas. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Si tu regardes l'installeur de Crusader Kings de Game of Thrones, il n'est pas non plus hyper lourd non plus. C'est normal qu'il soit pas très lourd. J'espère que tu as pris le plus récent aussi. Puis après, tu l'installes comme on l'installe aussi le mode Game of Thrones. Et puis voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ah, Geoffroy le rat. Voilà. Et je vais l'éduquer moi-même si je peux. Ouais, je peux. Je veux dire, j'en ai deux là. J'ai Geoffroy le rat et j'ai le Yves là. Le petit Yves. Geoffroy le rat, je m'en remettrai jamais. Je m'en remettrai jamais. Pourquoi qu'est-ce qu'il a né? J'ai pas agi de manière honorable envers moi, d'accord. Le duc Raoul. D'accord. C'est vrai que ça, il faudrait que je change quand même dans les obligations. Que l'emprisonnement, ce soit moi qui le fasse. Mais le problème, c'est que j'ai trop d'opposants. Même révocation de titre, ouais, j'ai trop d'opposants. Pour ça, il faudrait que je leur graisse la patte. Et j'ai pas assez d'argent pour graisser la patte. Bon! Ceci dit, les gens, je vais arrêter le stream ici. Accusé que sa réunion de faction bruges, mais il n'a pas réussi à. Mais il n'a réussi qu'à rendre la ligue plus loyale envers moi. Ah bah voilà, bravo. Ça s'améliore. Va rallier contre le suzerain. Ça veut dire que le duc de Flandre, là, il commence à faire des bêtises. Faut qu'il fasse attention, le duc de Flandre, faut qu'il fasse attention. Faut qu'il fasse attention. C'est fou comment il m'aime pas. Tyrannie. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir droit à ce trait de tyran?